Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler tatouage et piercing comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça fait un petit moment maintenant que je voulais vous faire cette vidéo là mais j'ai pas eu le temps et c'est vrai que vous avez été très nombreuses à me poser des questions principalement sur mes tatouages au niveau du prix, leur signification etc. Du coup je trouvais ça sympa de vous faire la vidéo. Donc je vais commencer par vous parler tout ce qui est tatouage et je vous parlerai des piercings juste après. Alors le tout premier tatouage que je me suis fait, c'est un tatouage que j'ai à la nuque. Donc ce tatouage là est tout simplement les initiales de mes parents. Je voulais faire un tatouage pour mes parents mais je ne savais pas trop quoi et au final j'ai fait leurs initiales parce que c'est ce qu'il y avait de plus simple à faire. Et je savais principalement que ça allait être un tatouage que je ne regretterai jamais. Donc au niveau du prix pour ce tatouage, je l'avais payé 70 €. Alors je ne sais pas si c'est cher ou pas cher. Après ça dépend des tatoueurs, il y en a qui prennent beaucoup plus cher, d'autres beaucoup moins cher, ça dépend. Moi en tout cas je vous dis le prix, je l'ai payé donc 70 €. C'est un tatouage qui a été fait en un quart d'heure à peu près, en un quart d'heure c'était fini. Parce que comme vous pouvez voir, enfin voilà je vous inclurai des photos bien sûr, comme vous pouvez voir c'est quand même un tatouage assez simple, il y a juste deux initiales, sont pas très gros, il n'y a pas trop de détails donc c'est assez rapide. Au niveau de la douleur, franchement sur une échelle de 1 à 10 je mettrai que 3 parce que ça a été quand même relativement doux en fait. J'ai eu un petit peu plus mal pour une des lettres, je crois que c'est le F. Je crois que le F j'ai eu un petit peu plus mal mais sans plus, franchement rien de méchant. Et franchement le seul truc à la limite qui était assez dérangeant mais sans plus aussi, c'est qu'en fait il m'a tatoué mais on a la colonne. Du coup c'est vrai que quand il me tatouait sur la colonne, j'avais tout simplement la vision qui devenait trouble en fait. Ça vibrait un petit peu, on va dire c'est la seule chose un petit peu dérangeante quand il m'a tatoué à ce niveau là. Mais après au niveau de la douleur ou quoi que ce soit, franchement ça a été nickel. En fait c'est la première fois que je me faisais tatouer. J'avais beaucoup plus peur qu'autre chose. Je me rappelle le soir même j'avais pas dormi, je m'étais amusée à prendre une aiguille ou je sais plus quoi, ou une épingle à nourrice, bref. Et j'imaginais, enfin j'essayais de me piquer au niveau de la nuque pour voir si ça faisait mal ou quoi. J'ai même hésité franchement à aller me faire tatouer parce que quand je me piquais franchement ça faisait mal. Alors je me suis dit lui il va quand même rentrer dans la peau donc ça va être juste une horreur. Et au final j'ai eu plus peur que de mal donc... Voilà, après la douleur est propre à chacun, je dis pas foncez vous faire tatouer parce que si vous avez vraiment peur, voilà, moi j'ai pas eu mal mais vous risquez d'avoir mal. Mais franchement, pour ma part, à la nuque, ça faisait pas mal. Ensuite, je me suis fait tatouer celui-ci. Donc c'est celui que vous voyez tout le temps dans mes vidéos. C'est un tatouage qui était absolument pas prévu puisqu'en fait, mon papa est décédé il y a 4 ans. Et quand mon papa est décédé, quelques mois après, j'ai décidé de me faire tatouer et je me suis fait tatouer donc un an après. Donc tant que je réfléchisse un petit peu à ce que je voulais faire. Donc en fait, j'ai tout simplement écrit une phrase pour mon père en anglais où c'est écrit « Papa, mon amour pour toi est éternel » et j'ai fait des petits oiseaux qui ressemblent pas trop à des oiseaux malheureusement. Le mec, je vais pas mentir, le mec qui me l'a fait m'a un peu chié le tatouage. Ça, j'aurais pu le faire, il aurait pu être mieux fait. Voilà. Maintenant, bah, il y est, je vais pas l'enlever. Et du coup, c'est un tatouage au niveau de la douleur, je mettrai 2 sur 10 parce que j'ai encore eu moins mal au niveau d'ici. À la nuque, le seul endroit où j'ai eu un peu plus mal c'est au niveau d'ici en fait, de l'intérieur, mais sans plus franchement. En plus la personne qui m'a tatoué là avait la main plus douce, je trouve qu'il forçait moins avec l'aiguille, du coup j'avais un peu moins mal. Et ça en je crois quand même, ouais, en un quart d'heure, une demi-heure c'était fini je crois. Ça a été très rapide aussi parce que ça reste une phrase quand même pas très longue, les lettres sont assez fines donc ça a été vraiment très 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 rapide. Alors par contre là où je me rends compte maintenant que c'était abusé, c'est au niveau du prix. Mettez pause à cette vidéo, mettez pause et dites-moi combien à votre avis ce tatouage là m'a coûté. Je vous laisse mettre ça en commentaire. Mettez pause, jouez le jeu quand même. C'est bon, vous avez marqué. Donc le prix auquel je l'ai payé est la somme de 120 €. Alors 120 € pour ce tatouage. Sur le moment où je l'ai fait, parce que voilà, moi, je m'étais pas renseignée sur chez d'autres tatoueurs. Moi, le tatoueur qui m'avait tatoué la nuque avait fermé. Je crois qu'il y avait 2 autres tatoueurs encore dans ma ville. Il y en avait un qui était un petit peu plus mal réputé. Donc du coup, je suis allée chez celui qui était le mieux réputé. Et au final, il m'a pris 120 balles, quoi. Donc sur le moment, j'ai pas calculé. Je me suis pas dit c'est cher, c'est pas cher. J'ai fait ok, on y va. De toute façon, quand on veut se faire tatouer, ben voilà, moi c'est sur des coups de tête. Tous mes tatouages, c'est sur des coups de tête. C'est pas des trucs réfléchis. Et du coup je me suis dit on y va, mais c'est vraiment quand j'ai fait mon autre tatouage qui est celui que j'ai au poignet, que vous avez déjà vu plus d'une fois également sur ma chaîne. De toute façon tous les tatouages piercing, hein, je vous inclurai des photos, ce sera plus simple pour moi. Je l'ai fait également chez le même tatoueur et il m'a pris 120 balles.
c'est le même tatoueur, c'est pas du tout le même tatouage. Vous voyez ça, quand on voit mon tatouage au poignet qui est quand même plus gros, il y a deux initiales, il y a quand même des motifs, il y a de l'ombrage. 120 € l'avant-bras et 120 € ça. Il y a un problème, il y a un problème. Franchement, j'étais là, mais le mec, il a 120 balles, ça quoi. Oh! Le mec est en manque de thunes. Ou alors, je sais pas, il fait ses prix au physique, je sais pas. J'ai pas compris. Bref, donc je l'ai payé 120 € également, mon tatouage au niveau de l'avant-bras. Alors, c'est un tatouage qui signifie énormément pour moi aussi, puisque c'est tout simplement, en fait, les initiales de mes enfants. Moi, je voulais uniquement faire des initiales. Et au final, vu que j'ai déjà ça la nuque, que je voulais quelque chose d'un petit peu plus travaillé, j'avais demandé à un collègue à moi à l'époque de me faire un tatouage, voilà, de me dessiner mon tatouage, parce que c'est quelqu'un qui dessine quand même très très bien. Et il m'avait dessiné donc le tatouage que j'ai sur le poignet, enfin sur l'avant-bras, sauf que le tatoueur l'a légèrement modifié. Donc je vous explique, j'ai les deux initiales de mes enfants, donc Lindsay et Brandon, donc ma fille et mon fils. Et j'ai deux étoiles. Donc les deux étoiles représentent également quelque chose pour moi, puisqu'en fait, quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai perdu mon grand-père, donc du côté de mon papa, d'un cancer du poumon une semaine avant la naissance de ma fille, donc il ne l'a pas connu. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils à 4 mois de grossesse ou 3 mois et demi, je sais, ouais, 3 mois et demi je crois, c'est mon papa qui est décédé, donc il n'a pas connu mon fils également. Du coup, c'est vrai que moi j'ai eu deux grossesses, j'ai eu deux décès pendant ma grossesse. J'ai pas eu des grossesses joyeuses à cause de ça, puisque j'ai été en deuil durant mes grossesses, donc c'était vraiment pas évident. Et c'est pour ça que j'ai voulu les inclure dans ce tatouage-là, parce que ils représentent également les naissances de mes enfants, quoi. J'ai eu deux bonheurs et en contrepartie, j'ai quand même eu deux malheurs en même temps. Du coup, j'ai voulu tout réunir sur un tatouage. Après, voilà, j'ai voulu faire des petits motifs un peu pour avoir un petit peu du décor sur mon tatouage. Au niveau de la douleur, je dirais 5, même pas 4, je dirais 4. Parce qu'en fait, j'ai pas eu forcément mal au niveau de l'ombrage, contrairement à l'autre tatouage que je vais vous parler après. Au niveau de l'avant-bras, j'ai pas eu mal au niveau des ombrages non plus. À la limite, là où j'ai eu mal, c'est vraiment sur le côté, ici, où j'ai eu un petit peu plus mal, ou quand il me faisait les étoiles. Non, je crois que c'est l'étoile qui se rapproche un petit peu plus du poignet, où j'ai eu un tout petit peu plus mal que le reste. Mais après, dans l'ensemble, franchement, du pipi de chat, les gars. Ça m'a pas fait mal du tout. Et au final, en fait, quand vous faites tatouer et que ça vous fait pas mal, je veux dire, bon, c'est cher. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on se fait pas tatouer tout le temps non plus, parce qu'il faut avoir l'argent. Mais heureusement que c'est cher. Parce que franchement, moi, pour mes trois premiers tatouages, j'ai tellement pas eu mal que je me serais fait tatouer de partout, les gars. Mais vraiment. Alors qu'au final, le prochain, on va en parler juste après, mais c'est pas la même histoire. Bref, du coup, je me suis fait tatouer ça. Au niveau du temps du tatouage, je crois qu'il m'a mis 1 heure pour me le faire. À peu près, le temps, voilà, qu'il me le pose, qu'il me fasse les contours, qu'il me fasse un peu le remplissage, qu'il me fasse l'ombrage, etc. Ça a mis à peu près 1 heure. Maintenant, on va passer à mon dernier tatouage qui est celui à la cuisse. Et là, j'ai eu trop mal. Donc je me suis tout simplement faite en fait une jarretière. Alors c'est un tatouage qui n'est pas personnel. Je veux dire, ça représente rien de forcément pour moi. C'est plus un tatouage, on va dire. Celui-ci, c'est le seul que j'ai qui tire sur l'esthétique. Je l'ai pris pour l'esthétique. C'est un tatouage que je trouve très féminin, sexy, élégant à la fois. Une jarretière, je trouve ça magnifique. Et du coup, moi j'avais regardé un petit peu sur internet différents tatouages au niveau des cuisses et tout. J'avais amené ça à ma tatoueuse et parce que c'est pas la même tatoueuse hein, qui m'a tatouée. J'ai eu trois tatoueurs différents. Elle, c'est une femme. Et en fait, on a pris un petit peu de plusieurs tatouages et on a inclus ça dans ce tatouage-là. Alors, faut savoir que quand je me suis allée me faire tatouer, alors le prix, je l'ai payé 450 €. Alors, 450 €, c'est cher, mais il y a des tatoueurs qui pouvaient prendre plus cher, puisque je me suis renseignée à un autre tatoueur de ma ville qui me prenait, je crois, 500 balles. 50 € de plus. Par contre, je crois que si je serais allée sur Toulouse ou quoi, j'aurais pu m'arranger à l'avoir moins cher. Mais étant donné que j'ai mes enfants à l'école, fallait gérer les. Enfin, fallait tout gérer. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis, je vais quand même rester dans ma ville, c'est plus simple pour moi. Si j'ai personne pour m'amener et tout, moi, je peux y aller. Enfin, c'était plus pratique pour moi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée me faire tatouer, moi je l'ai payé en 3 fois, hein, puisque j'ai eu 3 séances de 5 heures par jour. Du coup, j'ai eu 15 heures en tout pour ce tatouage-là. En sachant que c'est quand même un tatouage qui me prend toute la cuisse, il y a quand même pas mal de détails, il y a de l'ombrage, du coup ça met énormément de temps. Au début, la première séance, ça m'a uniquement fait le nœud. Et très franchement, quand elle a commencé à me tatouer, j'ai eu mal, mais sans plus. Mais au bout d'un moment, le nœud, elle me l'a fait en une journée, en 5 heures c'était bâclé. Le contour salé, moi, alors dès qu'elle a commencé à me faire les remplissages, maman, j'ai eu trop mal. L'ombrage et tout ça, là,
quand elle a terminé de me faire la cuisse, enfin le nœud, quand je suis rentrée à la maison le soir, donc je devais mettre de la bépantène pendant une bonne semaine, parce que j'avais rendez-vous je crois 2 semaines après. Donc pendant une bonne semaine ou 15 jours, je sais plus, je devais mettre de la bépantène, etc. pour bien hydrater. Mais alors quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mon chéri et je lui ai dit, je ne sais pas si je vais continuer mon tatouage ou si je le laisse là. C'était juste pas possible parce que vu comment j'ai eu mal au niveau de l'ombrage, et je me suis dit c'est juste un petit morceau, il reste encore tout le contour de la cuisse à faire, donc le plus gros. Je me suis dit c'est pas possible, je vais pas supporter. Très franchement la douleur là sur 1 sur 10, franchement je vais pas faire la fille, ouais ça fait pas mal non, je mettrais 9. Très franchement je mets 8,5, 9 parce que j'ai vraiment morflé pour ce tatouage là. Mais du coup je me suis dit j'allais quand même terminer parce que voilà c'est un tatouage que je voulais depuis pas mal de temps. Celui-ci c'est un tatouage vraiment que ça faisait au moins 1 ou 2 ans que je voulais me faire quelque chose à la cuisse. Une jarretière mais je savais pas trop quoi. Donc on va dire c'est le seul tatouage on va dire qui était réfléchi. Et je me suis dit m'arrêter là alors que là je peux l'avoir. Non, ça, enfin, je suis pas comme ça. Quand je commence quelque chose j'aime bien le terminer. Du coup je suis retournée 15 jours après donc faire ma jarretière. Donc pour la première séance elle m'avait fait tout ce qui était contour. Elle m'avait fait les contours et les petits motifs que vous pouvez voir ou pas à l'intérieur de la jarretière. Quand elle m'a fait le contour, j'ai eu mal, mais ça pouvait aller encore. Mais c'est après que ça se complique. Du coup, elle me fait la jarretière et tout. Bon, j'ai eu toujours très très mal aussi. Hein. Je veux dire, sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 8,5, 9, hein, comme d'hab. Là où j'ai eu le plus mal, c'est vraiment derrière la cuisse. Moi, j'avais peur que ça me fasse mal à l'intérieur, puisque j'ai des vergetures durant ma grossesse et même. On m'avait déjà dit, puis même la tatoueuse m'a dit que ça risquait de faire mal sur les vergetures. Au final, à l'intérieur de la cuisse, c'est vrai que ça fait un petit peu mal parce que la peau est plus fine, mais moi j'ai beaucoup plus morflé derrière la cuisse. Bref, du coup, je me suis fait tatouer, je suis rentrée chez moi. Pareil, pendant 15 jours, je devais mettre de la bépantène, etc. pour hydrater, etc. la cicatrisation. Et j'y suis retournée une troisième fois pour terminer donc là mon tatouage complètement, où là, elle m'a fait l'ombrage. Faut que je sorte dehors, faut que j'aille fumer ma cigarette. Enfin voilà, faut qu'on fasse une pause, là c'est pas possible. En fait, l'ombrage, ça fait tellement mal. En fait, je sais pas comment vous expliquer. L'ombrage, on vous frotte la peau, en fait, on vous gratte la peau. C'est comme si vous prenez, je sais pas moi, je sais même pas comment vous expliquer. Je sais même pas. Quelque chose et que vous vous grattez la peau, vous voyez. Bon, au bout d'un moment, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est qu'à force de passer au même endroit, bah, ça vous fait super mal. Moi, j'avais la cuisse toute rouge. Et au bout d'un moment, en fait, j'avais tellement mal que je sentais limite plus ma cuisse. Je sentais que la douleur qui m'envahissait sur tout le corps. C'était juste pas possible. Je serrais les dents, mais le pire, c'était encore une fois derrière la cuisse. Et par contre, l'ombrage, là, je vais pas mentir, j'ai eu mal au niveau des vergetures. Ça, c'est clair et net et précis. Et là, c'est une douleur, franchement, je mettrais 9,5 pour l'ombrage parce que j'ai eu trop, 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 trop mal. Alors certes, c'est un tatouage que je trouve super beau, je suis fière de l'avoir, je suis contente, je suis tout ce que vous voulez. Mais franchement, j'ai eu trop, trop mal. C'est. Si ça serait à refaire, si je ne serais pas la douleur, je le referais bien sûr. Mais à savoir la douleur que j'ai eue. Je sais pas si je le referai. Dans un sens, peut-être parce que je l'aime bien, mais dans l'autre sens, j'ai eu trop mal. Voilà un petit peu pour les tatouages. Au niveau de la cicatrisation et tout ça, ça va quand même assez vite. Faut bien s'hydrater, faut bien mettre de la bépantène. En fait, faut que vos tatouages soient toujours gras. Faut pas vous gratter parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir votre tatouage va vous gratter. Ce qui est tout à fait normal, c'est la cicatrisation. Donc, vous allez commencer à avoir des croûtes. Et il faut absolument pas gratter vos croûtes parce que sinon, ça va vous faire sauter la couleur et vous allez avoir des retouches. Faut éviter également de faire des tatouages l'été. Puisque les tatouages ne sont pas très appréciés du soleil, de l'eau de la mer, etc. C'est pas très bon. Donc, si vous voulez avoir un joli tatouage qui cicatrise bien, évitez de les faire l'été. Et voilà, et essayez de le faire respirer le plus possible. Donc voilà pour mes tatouages. Bien sûr, j'ai d'autres tatouages en vue, j'ai d'autres tatouages en tête. J'attends tout simplement d'accoucher parce que quand on est enceinte, on ne peut pas. Maintenant, on va passer au piercing. Donc au niveau des piercings, j'en ai quelques-uns quand même. Le tout premier que je me suis fait, c'est bien sûr le piercing au nombril. Je l'avais fait il y a bon, pas mal de temps puisque j'avais 14 ans en fait quand je l'ai fait. Je me rappelle, mon père voulait pas que je le fasse percer avant 16 ans et finalement, il a accepté à 14 ans que je me le fasse. Alors, c'est un piercing que j'avais payé à l'époque 65 €. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout les prix au niveau des piercings au nombril, hein, j'ai pas regardé. Mais à l'époque, je l'avais payé 65 € en sachant que je pouvais le payer 60 € mais j'avais mis 5 € de plus parce qu'il y avait un piercing qui me plaisait et du coup, c'était un petit peu plus cher. Au niveau de la douleur, ça va. Sur une échelle de 1 à 10, allez, je mettrais 1. Franchement, c'est très rapide. C'est super rapide. J'ai eu plus mal en fait quand il m'a pincé la peau avec sa sorte de ciseau là que quand il m'a percé. Par contre, un truc qui est dérangeant, enfin qui est chiant quand on se perce son nombril, c'est la cicatrisation. Moi, je trouve qu'elle est très très longue.
Je pourrais plus vraiment vous dire le nombre de temps que j'ai mis avant qu'il cicatrise. Mon nombril était tout rouge, j'avais des croûtes, mais avant vraiment qu'il soit parfait, 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 je crois que ça a mis plus de 4 mois. Hein. Je me rappelle plus, mais ça avait mis super longtemps, franchement, c'est un truc de ouf. J'ai mis vraiment énormément de temps à cicatriser au niveau du piercing de nombril. Et aussi, ce qui est chiant, c'est au début, vous avez un petit peu mal, du coup, quand vous mettez vos jeans, quand vous êtes assis, vous vous levez trop vite, des fois, vous avez la boule du dessus qui se coince dans le pantalon, du coup, ça vous tire, ça fait trop, trop mal. Mais à part ça, c'est un piercing, franchement, ça fait... Le piercing en lui-même me fait pas mal. Si vous voulez vous faire percer au nombril et que vous avez un petit peu peur, très franchement, ça fait pas mal. Ensuite, le deuxième piercing que je me suis fait, c'est le piercing que j'ai à la langue. Je pense que vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos aussi. Alors, ça, je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça. Je m'en excuse, puisqu'en fait. Alors, je veux pas que vous fassiez la même connerie que moi. Je vous le dis direct. Mais je l'ai fait toute seule. Mon piercing à la langue, je l'ai fait toute seule. Donc, je vais pas vous expliquer du comment, du pourquoi, du comment j'ai fait. Parce qu'il est hors de question que je vous incite à faire ce genre de choses. Parce que. Je l'ai fait, j'avais 14 ans ce piercing, mon père l'a jamais su parce que quand j'allais à l'école je le mettais, quand je rentrais de l'école je l'enlevais pour pas que mon père voie. Mais sur le moment j'ai pas calculé mais vous avez quand même le frein, donc si vous percez le frein je peux vous dire que vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Donc ne faites pas ça, moi j'étais bête et je l'ai fait, heureusement je me suis pas loupée. Après voilà, il est bien fait mais j'aurais pu vraiment me louper. Donc ça, je peux pas trop vous en parler, juste qu'au niveau de la douleur, moi personnellement, j'ai rien senti en fait. C'est un des tatouages, enfin un tatouage. C'est un des piercings où j'ai eu le moins mal. La langue, absolument pas. Mais malheureusement, je peux pas trop vous en parler. Je peux même pas vous parler de tarifs parce que je l'ai pas fait chez le perceur. Donc ça, je m'en excuse. Ensuite, l'autre piercing que je me suis fait, c'était celui-là. Donc c'est le microdermal. Donc c'est pas un piercing, c'est considéré comme un implant. Alors ce piercing là c'est celui que je vous fais pas un fuck hein. Non non non. C'est un piercing qui m'a coûté très très cher. Enfin très cher oui comparé à tous les autres. Puisque celui-ci je l'ai payé 80 euros. Donc ça je l'avais fait quelques temps après la naissance de ma fille. Donc je devais avoir 19 ans quand je l'ai fait. Ce piercing. Alors c'est un piercing qui fait pas mal en soi. Qui est surprenant on va dire. En fait... Quand vous allez chez le perceur, j'essaierai de vous inclure des photos pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu comment se passe ce piercing là. En fait, il vous fait un point avec un stylo pour vous voyez un petit peu où ça va. Donc vous avez deux piercings différents, vous avez soit l'implant, soit le piercing comme l'arcade. Moi personnellement avec les deux boules je voulais pas, c'est joli mais je voulais quelque chose de plus discret. Et juste une petite strass comme ça me suffisait amplement. Du coup il me fait le point avec son stylo. Et après il vient avec une sorte de stylo tournevis, enfin un stylo tournevis, c'est un petit peu bizarre. Il pince votre peau comme ça et il vient tout simplement visser le stylo dans votre peau, donc pour vous faire le trou tout simplement. Alors ça fait pas mal mais c'est surprenant parce que le mec il est sur vous comme ça. On a un petit peu peur qu'il vienne nous crever l'œil parce que là, les doigts vraiment à côté de l'œil, donc t'es là mec, fais gaffe à ce que tu fais. Bref, du coup une fois que le trou est fait, il prend donc le piercing. Donc en fait c'est une plaque, là vous avez la plaque. Et là vous avez la tige qui dépasse de là si j'enlève la boule vous avez juste la petite tige. En fait la plaque ils viennent vous la mettre d'un côté. Ils vous tirent la peau de l'autre pour faire rentrer l'autre côté de la plaque. Au final vous avez une plaque plate. D'ailleurs moi quand je touche mon piercing là je le sens légèrement. Vous avez une plaque sous la peau. Et après vous avez juste la petite tige qui sort. Et c'est à ce moment là qu'après qui vient visser. Alors au niveau de la douleur franchement je mettrai 3. Parce que c'est pas que ça fait mal, mais on va dire c'est surprenant. Bon, ça fait un petit peu mal aussi, c'est surtout enfin, surtout vous stresser. Parce que moi j'ai saigné pour ce piercing par contre, comparé à tous les autres, celui-ci j'ai un petit peu plus saigné. Mais c'est surprenant en fait. Après ça fait un petit peu mal, enfin je sais pas comment vous dire. Ça fait mal et ça fait pas mal, c'est bizarre à vous expliquer. C'est une douleur très supportable, mais c'est surtout très impressionnant. Et du coup, il m'a fait ce piercing là. Par contre le seul bémol de ce piercing, malheureusement, c'est que vous pouvez pas l'enlever toute seule. C'est-à-dire que vous enlevez la boule, c'est très très bien. Ou vous pouvez le faire, mais il faut vous charcuter, puisque pour enlever un implant, malheureusement, il faudra vous inciser pour enlever la plaque qui est en dessous. Voilà. Ça, je tiens à le préciser. Si c'est le genre de piercing que vous voulez faire, c'est très joli. Moi, j'adore. Mais sachez que ça vous laissera, je pense, une belle cicatrice le jour où vous allez l'enlever. Ensuite, je me suis bien sûr fait... Alors, attendez que je réfléchisse. Ce piercing ici, donc là je l'ai pas tout simplement parce que je n'ai plus de piercing. Voilà, mon piercing s'est cassé. Et c'est un piercing que je laisse pas trop longtemps parce qu'au bout d'un moment en fait ça me nique les. Ça me nique. Ça m'abîme les mailles et j'ai mal aux dents. Voilà, et j'ai essayé avec les tiges en plastique et tout. Les tiges en plastique je les supporte pas.
Du coup, je l'enlève, des fois je le remets, je le enlève, des fois je le remets, ça dépend. Donc celui-ci, je l'ai fait il y a un petit moment aussi. C'est un des franchement, c'est un des piercings qui m'a fait le plus mal à la lèvre. En fait, c'est une sensation comme si, vous voyez, quand vous avez un petit bouton au bout de la lèvre, quand vous le percez, ça fait super mal. Ben, ça m'a fait un peu cette sensation-là, en fait. C'est pas une douleur atroce, mais on va dire que c'est le piercing qui m'a fait le plus mal. Après, c'est un piercing que je trouvais très joli, mais c'est vrai qu'au niveau de la bouche, là, au niveau de mes dents, le fait que la plaque, elle frotte sur mes dents, c'était vraiment pas agréable. J'ai même eu un déchaussement de la lencive à cause du piercing. C'est un piercing qui m'a coûté 30 euros, je crois. Il me semble qu'il m'a coûté 30 euros. Pareil, j'essaierai de retrouver des photos où je le porte. Enfin, de toute façon, vous reverrez sûrement des vidéos de moi avec, parce que là, je me suis commandé des piercings et tout. Donc, vous verrez très certainement une autre vidéo où je l'ai. Mais voilà, c'est un piercing que je garde pas tout le temps parce que je le supporte pas. Et voilà, après bien sûr je vous inclurai une photo bonus ici, mais quand j'étais plus jeune, ado, quand j'étais au lycée, j'avais toutes les oreilles de percée. Voilà, donc ça bon, je vais pas trop vous en parler, mais ouais, j'avais quand même toutes les oreilles de percée. Ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo sur mes tatouages et mes piercings, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez, voilà, en savoir un petit peu plus, s'il y a des choses que j'ai pas dit dans cette vidéo. Voilà, je vous y répondrai avec plaisir parce que c'est vrai que là je vous parle, mais il y a certaines choses, ça fait longtemps, du coup je m'en rappelle plus trop. Voilà. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire, et dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir si vous aussi vous êtes tatouée et percée et quelles ont été vos sensations, si vous avez eu mal ou pas. Je serais curieuse de savoir, parce qu'après, voilà, comme j'ai dit, la douleur est propre à chacun. Peut-être que vous avez eu mal là où j'ai pas eu mal, et peut-être que vous avez eu pas mal là où j'ai eu mal, enfin j'en sais rien. Mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je serais curieuse de savoir. Écoutez, c'est tout. On se retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao ciao.